aspirateurs de mégots quand on a vu la pollution des mégots dans les villes. Et on a vu aussi que les mégots ils s'introduisent dans les égouts. Et qu'ensuite les réseaux d'assainissement ils prenaient beaucoup de, d'énergie pour les dépolluer. Donc on s'est dit pourquoi pas prendre le problème à la source et directement créer un robot aspirateur autonome qui va ramasser les mégots dans les villes pour éviter cette pollution. Donc alors pour le site, on a juste à scanner. Donc on ouvre. Et donc ce scan il sera directement possible sur le robot. Et ensuite donc là on a toutes les informations. Donc on a la localisation, où est-ce qu'il est le robot. Le stockage, combien il lui reste encore de stock, et la batterie. Donc en fait, ça sert pour les gens qui sont dans la rue à nous suivre dans notre projet et à avoir l'avancement du projet. Donc alors, pour la maquette, donc là, ça va être réduit à 15%. Donc on a les panneaux solaires, le stockage et l'aspiration. Donc pour le fonctionnement de l'IA, en fait, c'est une caméra qui va venir filmer si c'est un mégot ou autre chose. Donc elle va comparer. Si c'est un mégot, elle va l'aspirer du coup. Et si c'est pas un mégot, donc elle va le rejeter et donc elle va suivre son chemin.